Réveillé là, Osma Joseph a dénoncé réaction autorité l'État qui était débarqué dans la conférence qui fait semaine passée, qui d'après lui, c'est une violation de droit yo gagnant pour yo réunir. Osma Joseph a critiqué le comportement autorité en place qui continuait à praler de ras sur yo et puis continuait à tourner sur le phénomène insécurité. Coordonnateur UEH réveillé là, mandé population à mobiliser pour continuer à faire respecter le droit yo gagnant pour yo parler et puis dénoncer. Yo pral la pote et puis annoncer pardon, yo pral la pote plainte devant la justice contre toute autorité qui pas voulu respecter droit yo. En côté coordonnateur UH Rivinlan Osma Joseph qui était dans micro Adiani Oximable Saint-Fleur. Université, l'État qui l'a pour défendre des droits fondamentaux des citoyens de la République et pour faire promotion pour la souveraineté nationale, comme Dantès Bergade te confie nous comme étant gardien de la souveraineté nationale. Je dis, UH Réveillé, nous t'es fait partie de l'opposition plurielle côté nous t'es capable de faire une conférence de presse en dans rendez-vous 33 qui situe dans Delma 33. Toute ma proposition plurielle n'a là. Et puis nous t'es suite nous garder nous la police débarqué dans le modèle répression systématique que nous avons subi sous Duvalier, sans mandat, sans papier, nous avons débarqué sans mandat de perquisition, nous avons entré dans l'espace côté interdit des citoyens paisibles qui décident de réunir, organiser pour faire politique, nous avons débarqué pour arrêter nous, spécialement nous avons visé le chef de l'opposition, Jean-Claude Joseph. Mais je dis, hein, nous campons fermement pour nous dénoncer ces pratiques et nous voulons rappeler Gary Kony, Lesti Voltaire, tout le monde sait. Nous voulons rappeler que Haïti n'a pas retourné dans la dictature encore sous aucune forme. Et c'est peut-être ça que frère nous, c'est nous, nous avons bataillé en 1986 pour capable gagner la liberté d'expression, la liberté pour nous réunir et la liberté pour nous capables parler de politique, de avenir pays. Nous. Je dis, nous avons fait une conférence pour nous dénoncer le comportement de Gary Kony avec MCPTO qui a goumé entre eux. Nous te voyons que nous n'avons pas une dimension des hommes d'État. Et c'est peut-être ça, nous te voulons faire une conférence pour nous te dire non avec mauvaise gouvernance. Et nous te faire une conférence tout pour nous dire que nous remarquons que Gary Kony vient livrer tout pays. Kay par kay, zone par zone, by gang ami yo. Nous t'appelons by conférence pour nous te dire que chef cabinet Gary Kony fait avouer, côté lui dit, lui pas capable, c'est pas tâtonnement la résoudre problème de sécurité en pays pas fonctionner comme ça. Nous avons une conférence pour nous dire que son anomalie pour nous entrer dans une banque, les déposer $1,000 et puis là, le prix encore blanc, nous faire comprendre que c'est $100 Kabali, c'est $200 Bali. Nous avons une conférence pour nous dire non, il faut que les paysans qui traversent, qui circulent, il faut que les paysans pour livrer produits dans la capitale pour capable de jouer pour voir les gens à l'école. Nous avons une conférence pour nous dire toute l'école nationale, lycée, spécialement lycée Toussaint, tout lycée ça en voie de disparition. Faut que nous l'autre intelligentsia qui prenne tes pays pour retirer lycée côté oué, nous retirer mon yon espace, faire mon yon retourner la caillou pour que mon yon capable de jouer espace pour prendre le pain de destruction. Je dis, IH Réveillé, a demandé la population haïtienne, tout citoyen, pour être vigilant et pour être mobilisé pour nous capables de défendre le droit et garantir un espace de dialogue libre et ouvert. C'est peut-être ça. On a demandé toute autorité qui ne veut pas respecter les droits, principes, droits de l'homme, principes fondamentaux, droits mondiaux, la liberté d'expression, nous dit que IH vient de porter plainte dans tout tribunal, dans toute institution qui appelait pour ça. On a demandé la population a été mobilisée. Et notre population était concentrée sur l'objectif nous, équipe ça qui là et pas gain aucun ancrage épistémologique, mais que pas dans dynamique de réflexion, mais que pas une capacité pour libérer Haïti. Vive Haïti.